J'ai le plaisir de vous présenter Martin Luther King. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui, ce qui restera comme la plus grande démonstration dans l'histoire de notre nation. 5 marquent des années. Un grand Américain d'un nombre symbolique duquel nous nous tenons aujourd'hui signer la proclamation d'émancipation. Ce degré important est venu comme une lumière d'espoir des millions d'esclaves qui avaient été brûlés dans les flammes de la justice flétrie. Il est venu comme l'aube joyeuse pour mettre fin à leur longue nuit de captivité. Mais 100 ans plus tard, les Négros ne sont toujours pas encore libres. 100 ans plus tard, la vie des Négros est toujours tristement paralysée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, la vie des Négros sur une île solitaire de pauvreté. J'ai un rêve. Un jour, cette nation se levera et en vivra le vrai sens. Nous tenons la vérité pour aller de soi. Que tous les hommes sont égaux. J'ai un rêve qu'un jour, sur les collines rougeaux de Georgia, les enfants des anciens esclaves et les enfants des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour, que même l'État de Mississippi, un État étouffant, avec la tête de l'injustice, étouffant avec chaleur de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice.